Finéa apporte une réponse à travers un certain nombre d'activités, une activité de financement ou de financement par signature, où nous finançons les entreprises qui cherchent à accéder à la commande publique. Le deuxième volet, est qui est la traduction de cette vocation de tiers de confiance qui est celle de l'institution mère, à savoir la CDG, c'est que nous arrivons à lever des financements à l'international, à des conditions avantageuses. Et l'idée à travers cette activité de refinancement étant de dévouer ces financements-là vers les secteurs bancaires à travers des programmes objectivés, en apportant de la liquidité, mais aussi en cherchant à créer de l'émulation par rapport à un certain nombre de secteurs, par rapport à un certain nombre d'entreprises. Le troisième volet est un volet de cofinancement. Et comme vous le savez, une entreprise qui accède au financement à travers le secteur bancaire peut-être a besoin d'un complément de financement et la Finéa l'apporte. Voilà globalement ce que fait Finéa en termes d'activité. En termes chiffrés, jusqu'à 2018, Finéa a apporté plus de 10 milliards de dirhams de financement, 7 milliards en financement direct et cofinancement et 3 milliards sous forme de refinancement pour plus de 4000 entreprises. L'objectif, après avoir triplé les engagements de Finéa auprès de la PME-TPE sur les 5 dernières années, étant de doubler cette fois-ci. Donc l'objectif étant à horizon 2022 d'arriver à 20 milliards de financement auprès des PME-TPE essentiellement. Dans les mois à venir, Finéa annoncera le lancement de nouveaux produits à même de renforcer la capacité d'intervention des entreprises sous forme de crédit d'investissement, ce que nous allons appeler Finéa Essor, mais aussi un autre produit à même d'accompagner nos entreprises vers l'export dans des marchés qui sont traditionnels et sur lesquels il y a une relation importante. Consolider les activités que nous avons sous forme de financement, sous forme de refinancement, fait partie de ce plan stratégique, mais aussi développer des activités de services non financés à même d'accompagner l'entreprise sur un certain nombre d'aspects pour lui permettre de parler, entre autres, le même langage qu'un financeur, préparer des dossiers de financement de manière plus bancable, travailler sur des éléments à même de renforcer ces aspects opérationnels. Un certain nombre de produits, de services sont disponibles. Et des fois, nos entrepreneurs se renseignent pas suffisamment ou peut-être nous, financeurs, nous ne communiquons pas suffisamment sur ce que nous pouvons apporter. C'est dans ce cadre-là que Finéa a souhaité entamer un roadshow régional à partir de cette semaine sur 9 villes, 9 étapes pour aller à la rencontre des entrepreneurs et des entreprises. L'idée étant bien évidemment de leur présenter de manière
très pragmatique ce que nous pouvons leur apporter, comment Finéa peut les accompagner, mais aussi les écouter, parce que comme vous le savez, Finéa est une structure qui est agile, donc elle peut customiser un certain nombre de réponses par rapport à des demandes particulières.